Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Simao et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles ce soir. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les agents des finances publiques étaient en grève ce jeudi 17 novembre. Ils dénoncent les conditions de travail, notamment le management de la directrice régionale Ghislaine Assouline, ainsi que les suppressions d'emplois. Le Martinique Chef Festival se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine. Hier, la délégation a passé la journée à l'habitation Céron. Une trentaine d'étudiants de BTS Hôtellerie-Restauration du lycée polyvalent de Bellefontaine ont investi le village Pomme-Cannelle aux Prêcheurs depuis le début de la semaine, l'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises. Enfin, un amendement de Serge Letchimy portant création d'un fonds de soutien des télévisions locales privées a été voté hier à l'Assemblée nationale. Ce jeudi matin, une bagarre a éclaté au quartier Beau Séjour à Trinité. Deux jeunes de 18 et 20 ans ont été sérieusement blessés à l'arme blanche. Ils ont été transférés à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann. Une enquête est en cours. Toujours à Trinité, les habitants de Tartane font actuellement circuler plusieurs pétitions pour dénoncer les nuisances sonores dont ils sont victimes du fait des nombreux bateaux à moteur qui fréquentent la zone. Le maire de la ville, Frédéric Buval, a choisi de ne pas donner suite à ce mouvement de protestation. Les agents des finances publiques ont répondu à l'appel à la mobilisation des organisations syndicales, CGT, Force ouvrière et Solidaires Finances Publiques. Ce jeudi matin, ils étaient donc devant le centre d'Eclieux à Fort-de-France pour protester contre les conditions dans lesquelles est appliquée la démarche stratégique engagée par la Direction générale des finances publiques. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail et surtout le management de la directrice régionale Ghislaine Assouline, jugée autoritaire et méprisant. Parmi les revendications, il y a également les suppressions d'emplois et les fermetures de trésorerie. Les agents du département réclament l'amélioration des conditions de travail, le renforcement des moyens humains et budgétaires, enfin le maintien des acquis, comme les horaires, par exemple. Vous souhaitez réagir, Roland ? Pas exactement sur ce que vous venez de traiter là, mais je veux réagir sur la pétition. La pétition à Trinité, donc les chauffeurs, les pêcheurs, lorsqu'ils démarrent leur canot, bien entendu, pour aller pêcher, font du bruit et ça peut gêner les riverains. J'ai entendu récemment le maire de Trinité dire qu'il n'avait jamais vu une telle pétition. Pas qu'il ne lui a pas donné suite, mais il a dit « je n'ai jamais vu une telle pétition ». On a interviewé également, un journaliste a interviewé également un pêcheur, un marin pêcheur de Trinité, qui a dit « ouais, m'entend pas aller dire ça, mais pas jamais, ouais ». En fait, du reportage que j'ai entendu, il ressortait que aucune des personnes concernées, ni les pêcheurs, ni le maire, n'avait vu cette pétition. Bon, donc, on en est là, à mon avis, à moins que pendant les deux derniers jours-là, la pétition est réapparue, elle était distribuée, soit arrivée au maire, ça paraît invraisemblable. Mais de toute façon, moi, je comprends les pêcheurs disent « ouais, mais nous, nous, en profession libérale, nous ne pouvons pas à n'importe qui l'est, nous pouvons rentrer à n'importe qui l'est, c'est métier A qui concerne ». Ben non, moi je crois que il faut arriver à faire en sorte que tout le monde soit ok, quoi, que tout le monde soit que la liberté des uns n'empiète pas sur la liberté des autres. Imaginons que vous habitiez quelque part et qu'on vienne mettre une usine extrêmement bruyante à côté de chez vous. Ben bien sûr, les gens ont besoin de travailler dans l'usine, l'usine a besoin de fonctionner, mais personne ne l'accepterait. Donc, on a l'air d'avoir peur que, voilà, des gens qui osent faire une pétition contre les marins pêcheurs, parce que, bon, voilà, les marins pêcheurs, c'est les salariés des travailleurs comme les autres, il faut trouver un terrain d'entente, et moi, je comprends bien que dans ce pays qui veut faire le tourisme, qui veut se développer de façon harmonieuse, eh bien, oui, on peut imaginer que des riverains soient gênés par ces marins pêcheurs, le disent et fassent une pétition pour l'expliquer. Ça ne me choque pas outre mesure. Je vous remercie. La première édition du Martinique Chef Festival, qui a débuté le 14 novembre,
se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Des dîners à quatre mains, concours de chefs, conférences et masterclass sont organisés, le tout autour du savoir-faire made in Martinique. Faire de la Martinique la première destination culinaire française de la Caraïbe, présenter nos chefs, nos tables, nos produits de qualité et valoriser les savoir-faire. Enfin, rencontrer, échanger et partager les expériences culinaires de tout horizon, voilà les ambitions affichées du Martinique Chef Festival. Tout un programme donc, et surtout une délégation de personnalités de la gastronomie française, venues principalement de l'Hexagone, mais aussi de la Guadeloupe. Ces chefs étoilés, Michelin, Bocuse d'Or, meilleurs ouvriers de France, chefs pâtissiers, sommeliers, artisans du goût, journalistes et chroniqueurs gastronomiques, sont chapeautés par Marcel Ravin, le chef martiniquais étoilé, ambassadeur du festival. Hier, mercredi, le Martinique Chef Festival s'est arrêté à l'habitation Céron. Le temps d'une journée, cet espace a mis à l'honneur des produits et producteurs d'exception du Nord Caraïbe sur le thème « Parcours culinaire au fil de l'eau ». Malgré la pluie, la cinquantaine de participants a apprécié ce moment d'exception. Il y avait bien entendu la délégation de chefs, mais aussi des partenaires du festival et des invités tels que Katia Rochefort, directrice du pôle agroalimentaire régional de la Martinique, le PARM, Thierry Lozéa, artisan chocolatier, Cora Bernabé, présidente de l'Association des producteurs de cacao de Martinique, ou encore Charles Larcher, président du CODEROM. Ce jeudi, le Martinique Chef Festival était au lycée polyvalent de Bellefontaine, où il a animé une conférence sur le thème « La gastronomie, outil de développement touristique et économique pour la Martinique ». Cet événement devrait contribuer, nous l'espérons, au rayonnement de la Martinique dans l'Hexagone. En tout cas, Hermance Joplet, propriétaire du restaurant Le Castellaras à Fayence et la femme de l'un des chefs étoilés, s'est dit ravie de l'accueil réservé par les Martiniquais, de l'organisation de l'événement et des produits de notre terroir qu'elle a découvert. Un événement prometteur pour nous, selon vous ? Un événement sans doute intéressant parce qu'on ne l'a pas dit dans le sujet, mais ont accompagné ces chefs cuisiniers, parfois très étoilés, ont accompagné ces gens-là, une vingtaine de journalistes qui vont donc parler de l'événement et le diffuser sur l'ensemble de la France. Après, c'est véritablement un choix parce que ce qu'on demande à ces chefs-là, c'est de prendre nos produits et de les cuisiner d'une façon, disons, moderne, d'une façon occidentale, d'une façon moderne, de comment on présente les plats aujourd'hui un peu partout en Occident. C'est un choix, hein. Je veux dire qu'on peut aussi concevoir que notre ragoût de cochon, c'est un ragoût de cochon, quand il est présenté comme on le présente, il est comme ça. Quand on va à Marseille, c'est vrai qu'il y a certains restaurants, on va vous servir une bouillabaisse de façon un peu sophistiquée, et puis à d'autres endroits, vous aurez une bouillabaisse, quoi. Bon, c'est un choix. Je pense que c'est très bien d'avoir fait cette démarche, mais en même temps, je pense que le touriste doit pouvoir avoir le choix entre cette cuisine à partir de nos produits, mais visités ou revisités par des grands chefs, et puis une cuisine, mettons, plus patrimoniale, plus martiniquaise, plus roots, quoi. Il faut que les touristes, quand même, aient le choix, que tous nos restaurants ne soient pas à la même enseigne, quoi, cuisinés de la même façon. Et justement, la formation des futurs professionnels de la restauration et de l'hôtellerie est l'une des missions assurées par le lycée polyvalent de Bellefontaine. Cette semaine, les étudiants du BTS Hôtellerie et Restauration sont en immersion au village Pomme-Cannelle, au Prêcheur. Patrimoine et gastronomie, c'est un projet audacieux organisé par la communauté scolaire du lycée polyvalent de Bellefontaine en collaboration avec l'association La Brigade des Tabliers Étoilés et le village Pomme-Cannelle. Depuis lundi, 33 étudiants de BTS section Hôtellerie et Restauration ont investi le village Pomme-Cannelle au Prêcheur. Encadrés par 9 enseignants qui logent également sur place, ils bénéficient d'une expérience terrain qui s'ajoute à leur formation théorique et permet ainsi d'asseoir leurs connaissances et de renforcer leurs compétences. Au programme, visite de restaurants et d'habitations, découverte du patrimoine du Prêcheur, rencontre avec la délégation du Martinique Chef Festival et ce n'est pas tout. Mercredi soir, les étudiants ont pris les commandes du village Pomme-Cannelle où ils ont organisé un cocktail dînatoire.
L'occasion d'être confrontés aux réalités de leur futur métier, mais également de remercier les propriétaires des lieux qui leur ont fait confiance. Pour Karine Laouché, professeure d'économie gestion, spécialité mercatique au lycée de Bellefontaine, cette semaine permet de mettre en avant les compétences et les qualités de nos jeunes Martiniquais. Ils ont du talent, l'envie d'entreprendre, des idées et du savoir-faire, et il est important qu'ils soient connus du grand public, a-t-elle déclaré. Ce cocktail dînatoire était donc l'occasion pour les employés de la municipalité du Prêcheur, notamment, de vivre une expérience gastronomique proposée par les étudiants. Ce soir-là, Charles Cyril, chef d'exploitation agricole en maraîchage et en arboriculture fruitière au Prêcheur, était aussi présent. Il s'est associé à l'événement puisqu'il a mis à disposition des élèves des fruits et légumes qu'ils ont utilisés pour la réalisation du cocktail. Il a salué l'initiative. Pour lui, elle offre aux étudiants une manière intéressante d'apprendre. L'apprenant devient maître et acteur de sa propre formation, le tout encadré par les formateurs et professeurs. Plusieurs étudiants se sont également exprimés. Ils nous ont communiqué leur joie de vivre, cette expérience inédite, l'amour du travail qu'ils réalisent, leur volonté de montrer de quoi ils sont capables et même d'assurer par leur savoir-faire le rayonnement de la Martinique à l'international. Ce soir, jeudi, les 33 étudiants fêtent l'arrivée du Beaujolais nouveau et proposent un buffet autour des tartines lyonnaises. Demain soir, vendredi, l'immersion sera clôturée par un dîner gastronomique. Que pensez-vous de ce projet ? Je pense qu'il faut véritablement féliciter Karine Laouché, qui est d'ailleurs votre cousine, d'avoir eu cette initiative. C'est vraiment, je suis très content parce que quand elle a lancé ça, enfin, elle n'était pas la seule, mais enfin, elle était à la base un petit peu de cette affaire. Elle était un peu angoissée. Est-ce que ça allait marcher ? Ça n'allait pas marcher. Et finalement, ça a très, très bien marché. Ça en est très bien sorti. Donc, félicitations à Karine pour cette magnifique initiative. Merci. Une autre formation a eu lieu il y a quelques semaines. Elle est différente, mais elle concerne aussi de jeunes Martiniquais. Le 26 octobre dernier, c'est à Mandosé que le 33e régiment d'infanterie de marine organisait un stage de préparation militaire. Une vingtaine de jeunes volontaires viennent ainsi, pendant les vacances, participer à ces sessions de stage qui permettent de découvrir le mode de vie militaire. C'est ce que nous a expliqué Marine Mongardet, lieutenant de vaisseau et directrice de la communication pour les forces armées aux Antilles. Les jeunes stagiaires se voient ainsi proposer plusieurs cours, de l'instruction physique et sportive dans des salles de sport traditionnelles ou en milieu naturel par exemple, des cours de topographie pour apprendre à utiliser le relief ou encore des cours de déplacement et de combat. De manière générale, les jeunes stagiaires apprécient beaucoup ces quelques jours pendant lesquels ils sont en immersion dans un espace militaire. Parfois, c'est un moment qui permet de faire naître des vocations. Regardez. Commentaire, Roland ? Ben non, pas spécialement. Il en faut pour tous les goûts. On vient de voir une immersion de jeunes qui dans l'hôtellerie. Là, on voit une immersion de jeunes dans les forces armées. C'est bien. Je suis pour l'immersion, moi, de toute façon. L'ONF, l'Office national des forêts, présentait hier le schéma d'accueil du public en forêt, développé dans le cadre du projet national Forêt d'exception. Il s'agit de développer et valoriser la multifonctionnalité de la forêt et notamment de deux sites sur notre territoire, la montagne Pelée et les pitons du Carbet. Le débat sur les répercussions psychologiques et comportementales de l'esclavage sur nos populations se poursuit ce jeudi soir. Une conférence débat ouverte au public sur le thème « Sommes-nous des malades de l'esclavage ?» se déroule depuis 18h30 au Palais des Congrès de Madiana. Elle est animée par Aimé Charles-Nicolas, professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie à l'Université des Antilles et président de l'association First Caraïbes.
Un autre événement se déroulait au Palais des Congrès de Madiana au début de ce mois de novembre. Il s'agit de la 3e édition du Salon des seniors. Vieillir en restant actif est une tendance qui se développe beaucoup aujourd'hui et qui permet de chasser l'isolement, de pérenniser un bon état de santé et plus généralement d'améliorer la qualité de vie des seniors. Les personnes âgées de 45 ans et plus étaient donc conviées à cet événement organisé une fois par an et dont l'objectif est de les informer sur les services qui sont proposés en Martinique pour faciliter leur quotidien. De nombreux exposants ont ainsi tenu à participer à ce salon des seniors pour le plus grand bonheur des visiteurs qui ne savaient plus parfois où donner de la tête. De nombreux stands ont donc proposé au public des informations, des conseils. Certains ont su rassurer les seniors qui souvent restent seuls avec leurs interrogations, leurs préoccupations, sans oser en parler à d'autres. Les mutuelles, par exemple, ont assuré le volet santé du salon. Des animations sportives ont été présentées avec les randonnées, le kayak et autres activités liées à la mer. Des animations florales ont vanté les mérites du travail délicat que nécessitent les fleurs. Ont également été proposées des conférences avec des avocats, des notaires. Une initiation à l'informatique avec l'utilisation de tablettes numériques ou encore un apprentissage des langues. Enfin, la Caisse Générale de Sécurité Sociale et certains EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme l'Oasis, situé sur la route de Balata, ont aussi présenté leurs services. Notons que cette année, une problématique nouvelle a été abordée au Salon des seniors, celle des obsèques. On a rarement envie d'y penser parce que la mort reste pour la plupart d'entre nous un événement triste, douloureux, dont nous évitons de parler parce qu'il nous met mal à l'aise, nous angoisse, nous inquiète tout simplement. Pourtant, la mort reste un passage obligé. Il est important de préparer ses obsèques parce que la mort fait quelque part partie de la vie. Un service funéraire, c'est en réalité un certain nombre d'obligations qui entraînent des frais qu'on n'a pas toujours prévus. Et souvent, ce sont les enfants, ou en tout cas les proches des défunts, qui doivent assurer de manière pragmatique la gestion d'un tel malheur alors qu'ils souffrent. Les seniors ont donc été invités à se montrer très prévoyants dans ce domaine pour éviter les mauvaises surprises et les moments désagréables. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.